Dans l'angoisse de se faire surprendre par une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo, plusieurs habitants ont trouvé refuge dans cette ONG chrétienne située à 30 km de Goma. Je suis venue de Goma, de Bouéné précisément. Il y avait du feu partout et nous avons dû fuir. Quand je suis arrivée ici, j'avais mes enfants avec moi, mais certains d'entre eux se sont perdus. Je ne peux plus les retrouver. Devant l'affluence des déplacés, les responsables de l'ONG craignent une pénurie des besoins de première nécessité et appellent à l'aide humanitaire. Notre aide est insuffisante, nous sommes débordés. La ville de Seik va être surpeuplée. Les personnes déplacées commencent à être plus nombreuses que les habitants et malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour eux. Le volcan nous a tous pris par surprise. Ce mardi, de forts tremblements de terre ont secoué la ville rwandaise de Gisenyi, frontière avec Goma.